va Alex? Bonjour Charlie. Ça va-t-il? Et toi? Bienvenue pour ce live numéro 109 en direct de Gardena, Californie, à côté de Los Angeles, pour votre émission SoCal Franchise Friday Live. Voilà, donc on va aller faire un petit tour avec cette Challenger. Je pense que ça va faire plaisir à notre ami Cyril. Donc merci à tous d'être là pour ce petit live avec... Avec un horaire un petit peu avancé, on doit aller inspecter une voiture juste après. Et comme on a pas mal de routes à faire, on a avancé un petit peu le live. Donc voilà, on va aller faire un petit tour avec cette caisse. Puis après, on va continuer dans le shop pour le live habituel. Donc voilà, c'est parti. Je vais rejoindre mon acolyte. N'oubliez pas de partager un maximum pendant qu'on est en train de lancer ce live. De partager un maximum toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire cliquez sur partager dès maintenant. Et puis pour ceux qui regardent en différé, vous pourrez toujours partager un peu plus tard. Allez, c'est parti. Challenger 1970. Alors on va essayer de rester assez proche. On va essayer de rester assez proche de du van. Jenny, si tu nous entends pour le retour. Donc on va aller en face. Je leur ai dit on va aller en face et on va prendre à gauche à la prochaine. Donc voilà, j'imagine que vous nous entendez. Donc il y a des moments où on va arrêter de parler parce que si on est un petit peu loin, ça risque de couper au niveau sonore. Donc là, on n'a pas de retour avec Jenny. Donc on ne sait pas si vous nous entendez, si tout est OK. Jenny, si tu nous entends, tu vas pouvoir filmer un petit peu au niveau du carrefour ici, tous les burns. Là, on a eu encore une belle session de burns, je pense, le week-end dernier. Donc là, ici au carrefour, hein, comme d'habitude... On voit le carrefour est tout noir de burn. Alors Alex, après avoir passé autant d'heures sur cette voiture avec Jérém, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit qu'elle roule super bien, elle est agréable à conduire, c'est vraiment confortable. Parce que c'est une caisse musclée, mais quand même très confortable. Donc c'est vraiment agréable à conduire. Chauffage, bon là il reste encore des petits réglages, on a le para à faire. La clim a chargé, le gaz de la clim a chargé, mais c'est ses premiers tours de roue. Pour voir le travail freinage, suspension, c'est correct. Moteur équipé d'une cam quand même assez agressive, donc la dépression dans les freins n'est pas aussi importante que si ça avait été d'origine, mais ça va. L'assistance fait quand même son taf, malgré que, tu vois, on est quand même une cam costaud, mais tu vois, on roule bien. Le son est tout simplement magique. Ah ouais, ça par contre, avec les deux trompettes deux côtés, c'est incroyable. Un bruit incroyable. Puis bah voilà, on est bien assis, on a un nouveau siège, etc. L'instrumentation, tout fonctionne. Ça c'est bien. Donc, voilà, j'espère que notre ami Cyril va être content. Ouais, ça va Jenny, tu peux nous faire signe, est-ce que t'entends? T'as un bon retour son? Ok, nickel. Et ben on va pouvoir faire. Ici c'est toujours plus facile de faire droite-droite. Parce que comme vous le savez peut-être.
Hello there! On va tourner ici, les copains? Est-ce que Jenny, Cyril est présent? Cyril n'est pas présent? Eh bien, Cyril aura la surprise alors. Voilà. Nous sommes sur Broadway, nous allons tourner ici à Broadway. Yes. Bienvenue dans notre secteur. Donc vous comprenez pourquoi ici ils adorent les muscle cars. On a beaucoup de lignes droites. Et en fait de pour une mini session de drag. Le volant aussi, le nouveau volant avec le petit logo Challenger au milieu, vraiment cool. Hey! Le fameux coup à la portière, dans une caisse classique, c'est vraiment comme ça qu'on apprécie le plus. Jérém, tu te fais plaisir au volant du van de production? Oh la classe! Attention, hein. Pour ceux qui sont déjà venus nous voir et qui ont déjà eu l'occasion de recevoir en prêt ce petit véhicule fort sympathique, le Dodge Grand Caravan 2005, 200 000 km au compteur. Ta ceinture, parce qu'on a la pareille chose derrière toi. Tu m'entends? Tu m'entends, Jenny? Ok. Voilà, on arrive au corner de notre shop, donc on va aller. On va finir cette première petite partie de live. Merci à tous d'être en notre compagnie, de vous promener avec nous. Je vais l'avancer un peu qu'il puisse se garer. Non, ça va. J'ai vu la police nous regarder avec des yeux comme ça, surtout regarder le van avec les deux portes ouvertes là. Mais bon, je pense qu'ils ont eux aussi l'amour et le respect du bel engin, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on va continuer ce live à l'intérieur. Elle a vraiment une belle stance cette caisse.
Ouais, on peut. On peut ouvrir. Allez, on va commencer notre petite partie. Voilà, Cali qui est très sage, allongé en position dite du plongeur. Ça va? Tranquille, tu fatigues pas trop? Hein? Ouais? Allez. Je vais poser les lunettes. Hydratation, bien sûr. Voilà. Bienvenue dans le shop pour ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent. Donc malheureusement, en ce moment, on n'a pas énormément de visites. Les seules personnes qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont soit des gens d'Air France, des pilotes ou des stewards d'Air France qui passent nous voir. On vous remercie, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de visite. Et sinon, on a aussi la visite parfois de gens qui sont soit qui ont la double nationalité, soit qui ont la carte verte et qui peuvent voyager de France. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore à quel moment vous allez pouvoir revenir nous rendre visite. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant dès qu'on aura du nouveau là-dessus. Voilà, donc Alex, nous revoici dans notre cave. Voilà, on vous a fait un petit display avec les voitures à vendre pour que ce soit plus facile que vous puissiez déterminer qu'est-ce qui est encore disponible à la vente. Donc nous avons au niveau des départs la voiture de Régis qu'on vous a présentée la semaine dernière. Donc là, c'est une voiture qui est quasiment prête à partir. On attend un petit cache plastique qui va aller sous le pare-choc. C'est le fameux cache plastique qui s'use ou qui se frotte quand on rentre sur les driveways en fait ici, parce que comme on l'a peut-être déjà dit, il n'y a pas de caniveau à proprement parler ici. Donc en fait, quand on rentre soit sur une station service ou dans les voilà, c'est bien souvent là que ça frotte. Voilà, petit détail. Donc ça, Régis, ta voiture est quasiment prête. Ensuite, on a la très belle Dodge Coronet RT qu'on vous avait présentée la semaine dernière. Donc il y a une voiture absolument magnifique. Voilà. Donc c'est une voiture qui va être aux alentours des 45-46 000 euros livrés. Donc très très belle voiture, hein. On vous l'a présentée la semaine dernière. Elle est présentée dans sa couleur factory, donc noir avec le liseré rouge et ce bel intérieur rouge. Il y a un des pneus qui avait été endommagé et donc on va remettre en liseré rouge, donc le pneu avant de ce côté-là qui est abîmé. Mais sinon, vous voyez, c'est une voiture qui est absolument magnifique. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par une voiture qui ne ressemble pas aux autres, n'hésitez pas à vous manifester. C'est une voiture qui est absolument magnifique. Voilà. Ah, le noir, tu ne peux pas te tromper. Hein. Ouais. Cette caisse noire, bon voilà. Personne ne s'est jamais retrouvé avec une caisse noire démodée. Voilà. Très très cool. Au rayon des voitures qui sont arrivées la semaine dernière, il y a la très belle caisse de Christophe. Donc ça, cette voiture-là, c'est un coupé Codes 1967. Voilà, et qui va partir en Suisse. Donc félicitations. On va vous montrer ça. Voilà. Donc c'était un peu la surprise la semaine dernière, mais voilà, on vous avait dit qu'on allait la montrer. Donc cette voiture-là, voiture très rare, j'ai commandé le Marty Report. Dès qu'on va le recevoir, je vous dirai un petit peu plus les chiffres exacts de production. Mais en coupé Codes avec le Big Block 390, c'est ces voitures qui sont quand même assez rares. Donc voilà, petite jante Magnum 500, bel intérieur noir, une peinture Highland Green. La voiture était Lime Green d'époque. Donc le précédent propriétaire a voulu foncer un petit peu la teinte. Qui vient d'arriver ? Cyril vient d'arriver ? Hey Cyril, tu viens juste de louper le petit tour avec ta voiture, mon gars. C'est pas grave, tu le reverras, ça te fera bicher un peu plus. On vient de faire un petit tour avec ta voiture en live. Donc voilà, ça a très très bien avancé. Voilà donc pour cette belle voiture. Ça, assez rare aussi, hein. Donc c'est une voiture qui va partir en Suisse et qui va être prise en charge par notre ami Julien,
de Swiss Peaks qui va s'occuper de la rapatrier dans son shop, de faire tout le contrôle technique suisse, etc. Donc bravo, merci à tous les deux. Très belle caisse. Ensuite, nous avons ce petit truck qu'on vous a présenté quand on l'a reçu. Donc un petit short bed 350 injection. Donc c'est un 87. Les dernières années de cette forme de square body. Mais première année avec l'injection. Donc ça, c'est vraiment le combo le plus désirable parce que c'est benne courte, le 350 injection. N'est-ce pas? J'aime bien cette expression désirable, hein. On la traduit, il l'emploie beaucoup en anglais. Ici, en français, ça peut prêter à confusion, mais on s'en rend même plus compte quand on lit des trucs comme ça. Regardez comme c'est désirable, l'intérieur. Tu te transformes en Jean-Claude Van Damme, hein. On pourrait pas dire, mais... Voilà. J'espère que votre désir est porté à son paroxysme. Donc ça, c'est un véhicule qu'on vous avait montré. On a toutes les photos pour ceux qui veulent. Photos des soubassements, etc. On a déjà fait la liste. Il y a à peu près 1 000 $ de pièces qui peuvent partir avec le véhicule. Soit si quelqu'un veut l'acheter avec les pièces, soit si vous voulez qu'on les installe, c'est quelque chose qu'on peut faire sans problème. Donc voilà pour cet engin. Ensuite, Alex, on enchaîne avec la Kotka. Magnifique Kotka, oui, il n'a toujours pas trouvé preneur. Hein. Bon, c'est une voiture assez rare. Extrêmement rare. Voilà, il n'y en a pas des masses. C'est vraiment pour l'aficionados, le puriste de la Mustang première gen, la Kotka, c'est un peu le Graal. Donc, et donc celle-ci a été entièrement revisitée par nos amis de Mustang Country, donc les spécialistes de Los Angeles de la Mustang. Et donc elle est voilà, conforme à son cahier des charges d'origine, moteur IPERF, le carburateur, enfin tout est correct. Donc c'est vraiment une belle auto de collection et qui est qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Bon après, hein, c'est vraiment pour le puriste. Ouais. Une caisse de puriste. Ah, c'est une caisse de puriste, c'est clair. Voilà. Je rebondis sur un petit message de notre ami Geoffroy de l'agence Les Bons Garçons. Donc Geoffroy qui a organisé le rallye du cœur. Donc vous vous souvenez, on avait partagé, etc. Donc la voiture de Nico qui a été entièrement préparée ici sera dispo et visible avec notre ami Jerry de Pro Rider, donc Jerry qui présente Wheeler Dealer France pour son premier GT Cruising. Donc je viens de lire l'information dans les commentaires, merci. Je voudrais adresser toutes nos pensées à la petite Roxane qui malheureusement qui était la petite dont JP était le parrain justement pour le rallye du cœur. Voilà, elle malheureusement nous a quittés et voilà, grosse pensée à toute sa famille et à tous les gens qui suivent de près ou de loin le rallye du cœur et qui sont confrontés à ces difficultés-là. Donc une grosse pensée à vous. Merci à JP pour tout ce que tu as fait et à tous les bénévoles du rallye du cœur. C'est un truc qui est vraiment qui, voilà, pas plus m'étendre dessus, mais voilà, c'est continuer à soutenir ce genre de d'initiative parce que c'est ça qui nous fait nous penser et être reconnaissant du fait qu'on est nous en bonne santé et que de notre côté ça va. Ça permet de relativiser les petits problèmes de la vie. Donc voilà, c'est un petit message adressé à tous les bénévoles et tout le corps médical et les familles. Voilà, donc cette petite Kotka, donc effectivement comme a dit Alex, entièrement restaurée, cette voiture là en dessous ou dessus elle est peinte. On a tout le dossier photo si quelqu'un est intéressé. On va être aux alentours des 49 000-50 000 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour un coupé, mais c'est pas n'importe quel coupé. Je crois qu'Alan nous avait dit que c'était à peu près 400 exemplaires en 65. Donc c'est quand même une voiture qui est très très rare. Sur les 400 exemplaires, combien en reste-t-il dans cet état et dans cette couleur? Franchement, très très peu. Beaucoup étaient utilisés pour la course ou plus tard ont été utilisés pour le circuit, etc. Avec beaucoup ses performances. Beaucoup ont été cannibalisés aussi pour leur moteur. Et, exactement. Donc là, on a vraiment une voiture qui est exceptionnelle. 271 chevaux. Aucune assistance,
Donc 271 chevaux, aucune assistance. On a donc direction manuelle, frein manuel, boîte méca 4 vitesses. Donc c'est la petite GTI d'époque. Voilà. Alex, je te laisse présenter la K2000, la CAR. Voilà, donc CAR, je la présente plus. On l'a montré, mais c'est vrai qu'on a des nouvelles personnes qui rejoignent le live ou qui parfois en loupent certains. Donc on refait un petit point dessus. Donc on a cette superbe réplique de la voiture de la série K2000, ou Knight Rider, comme on dit ici. Et donc cette voiture-là était la méchante dans quelques épisodes de la série. C'est une intelligence artificielle et elle prend le contrôle en fait de sa vie et décide de partir en couille en fait. Pardonnez-moi l'expression. Et du coup, au lieu de dans le programme informatique de originel était de se protéger elle-même en fait, de dire voilà, moi je pense à ma survie. Elle avait un instinct de survie et quitte après. Donc c'était le premier prototype et le deuxième, donc quitte, ils l'ont programmé pour justement au lieu d'avoir cet instinct de survie, avoir plutôt un programme qui se dirige vers les humains et dire voilà, je dois protéger les humains à tout prix. Que celle-ci avait été programmée pour se protéger elle-même. Donc, bon, toute la série. Donc, je vous invite à ceux qui aiment la série de revoir les épisodes parce que moi, j'adore. On les voit sur YouTube. On avait regardé la dernière fois un petit peu. Et c'est génial. Et du coup, c'est une super belle réplique avec tous les informatiques à l'intérieur qui fonctionnent, les loupiotes, les LED, les petits cerveaux moteurs qui ouvrent, etc. Le scanner, elle parle et tout. Enfin, vraiment bien fait. Comme on l'a dit sur les épisodes précédents, donc toute l'installation avait été faite par la personne qui était en charge de construire les voitures de la série. Donc on peut dire que c'est accurate, screen accurate, comme on dit ici. Ouais. Et voilà, donc c'est une cool bagnole. En plus, elle est bien, elle roule bien, elle est vraiment agréable à conduire. Il y a les targas s'enlèvent. Bon, c'est pas automatique, hein, malheureusement. Non, il n'y a pas de siège éjectable, non. Voilà, donc super cool pour les fans de séries télé. C'est vraiment une des voitures à avoir. Ça reste accessible, plus accessible par exemple qu'un General Lee ou que d'autres voitures de série. Là, c'est une voiture qui va être aux alentours de 32 000, 33 000 euros. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe. Elle fait sensation. Hein, moi, bon, je l'adore, je roule de temps en temps avec et partout où on va, et les mecs viennent te parler, c'est génial. Alors tu l'as fait parler, tu les aiguilles en route et tout le monde est content. Ouais. Voilà. Très belle caisse. Voilà, et puis la personne qui veut faire une kit a juste à repeindre le bas et reprogrammer la voie. Mmh. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Le scanner en rouge. Et puis voilà. Ça, on l'a déjà dit. Voilà. Très bien. Ensuite, donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer? Donc ça, c'est les voitures qui sont en cours de vente. Donc on les a placées ici. Voilà, donc on félicitera les heureux propriétaires dès que ce sera validé à 200%. Je sais qu'on a déjà notre ami Dominique avec la bleue qui est ici, hein, qu'on vous avait déjà montré. Donc ça c'est le coupé de Dominique ici qu'on vous avait déjà montré, qui est très très cool. Donc félicitations Dominique. Et derrière on a la petite voiture de Xavier, pareil, qui a été le premier à sauter. Je sais pas ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, il était là, moi. Voilà, et donc Xavier a été le premier à se manifester pour cette caisse-là. Donc félicitations les gars. La Fastback Gold est en cours aussi. Monsieur X est dans les starting blocks. Monsieur donc, X. Ah, c'est Monsieur X. Ouais, c'est Monsieur X. La personne qui achète la Gold, pour l'instant, ne veut pas qu'on dise qui c'est. Il y a de la surprise à la clé. Donc c'est Mr. X, X to the Z. Voilà. Ensuite, on va, et ça on vous a mis une petite photo sur Insta pour vous montrer l'avancée de ce truck. Donc là, en parallèle à la voiture de Cyril, la voiture de François, et pour l'instant on attend toujours la pièce pour la voiture de Christophe, vous avez déjà installé le fameux nouveau moteur 350 dans cet engin. Donc ça, c'est la caisse de Fabien. Donc là, je vous laisse la parole, Jérém, si tu veux aussi
te mettre à côté d'Alex, oui, parce qu'on aime bien dire bonjour à Jérém quand même. Je veux tout savoir, Jérémy, explique-moi. Moi, je sais pas. J'ai besoin que tu me conseilles. C'est les conseils de Jérém. Donc oui, bah vas-y, viens Jérém. Ça va Jérém? Je voulais me mettre le... Viens te mettre près de moi là, viens. C'est bon. Viens chercher bonheur. Voilà. Donc vas-y, je t'écoute. Bon, on a tout démonté. Ah bah oui. On l'a condamné. On l'a condamné. Non, bah écoute, on a sorti le moteur et puis on a remis celui... 3-5 ans. 3-5 ans que le client avait commandé. Voilà. Et puis ben on va... Ok, t'as vu, il y a quand même un peu des modifs. Hein. On n'a pas, c'est pas un juste un bête 350 quand même. Exactement, mon ami. Donc, Okay, bah, écoute, ça devrait y aller. Hein. Ça donc, pipe d'admission, on a sélectionné une pipe Edelbrock Airgap. Hein, donc, c'est à savoir que c'est un peu un. Parce que moi, je regarde un aussi. Laboratoire. Je me fais engueuler. Le client voulait le convertir à l'éthanol, donc 100% éthanol, E85, sur un moteur de conception ancienne, un carburateur. Donc après quelques recherches, on s'est lancé à la tâche de commander ce qu'il fallait. Et du coup, voilà, le moteur est dedans. Donc le moteur en lui-même n'a aucune spécificité particulière. C'est exactement le même moteur qu'un moteur qui tournerait à l'essence. À savoir que les moteurs actuels... Ce type de moteurs remanufacturés ont déjà leur siège de soupape en acier, enfin, sont déjà quand même prévus pour tourner au sans-plomb. Mm-hmm. Donc, ça ne devrait pas poser aucun problème. Après, la durée dans le temps et le fonctionnement, je pense que ça ira. Mais bon, je mets toujours un petit bémol parce que c'est une expérimentation. Mais je pense que ça devrait marcher et ça devrait envoyer du bois. Pourquoi ? Parce que l'éthanol va nous permettre de mettre vraiment de l'avance et le moteur va être vraiment plus nerveux. Donc, on va pouvoir mettre vraiment de l'avance à l'allumage. Et on n'aura plus ce phénomène de pinging, de détonation, de self-ignition, parce que c'est un carburant qui est beaucoup plus froid et beaucoup plus stable. Par contre, il en faut beaucoup plus. Donc, il en a installé une pompe à essence de type couillu. Ah ouais, elle est énorme. Au chausse-pied, hein, t'as vu ? Tiens, tu viens la montrer, Jenny ? Je vais te pointer. On va te pointer du doigt. Donc, on a le retour de Jenny aux manettes. Voilà, donc on a installé une pompe à carburant de type couillu, donc qui est prévue pour fonctionner à l'éthanol. Là. La membrane, la composition chimique et moléculaire de la membrane est prévue pour résister au carburant à base d'alcool, donc, dont l'éthanol fait partie, donc il n'y aura pas de problème. Et puis là, on va commencer à installer toutes les durites, bien évidemment doublées en téflon, pour résister à l'alcool. Donc là, tout le circuit de carburant va être... Donc là, on a les nouveaux réservoirs, donc les réservoirs ont été fatigués... On va mettre des neufs, c'est des réservoirs en acier avec un traitement zinc, donc ça ne devrait pas poser de problème avec l'éthanol. Ok. J'ai fait un petit display là-bas, on peut regarder. Ça vous intéresse, bien sûr. J'ai pas envie d'être relou. Donc là, tous les petits raccords, tout ça, sont en aluminium anodisé, donc à savoir que l'anodisation permet de résister à l'éthanol. L'aluminium brut, non. Donc il faut un aluminium anodisé. Donc tous ces raccords sont prévus pour marcher à l'éthanol. On peut voir, c'est marqué là. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Voilà, E85. Donc ça, la fameuse durite, pareil, spéciale E85. Donc on va refaire tout le circuit de carburant en dash 8. Donc il faut qu'il y ait du carburant qui arrive. On a besoin vraiment de plus de débit qu'à l'essence. Mm-hmm. Donc là, on a tout notre système. The device is connected. Ok, thank you. Et donc du coup on va refaire tout le circuit de carburant en gros. Et la seule endroit où on va pas pouvoir vraiment faire grossir le circuit, c'est au niveau de la valve de sélection des réservoirs. Ouais. Donc le diamètre est pas beaucoup plus petit. Là on doit être sur un dash 6 et là on est en dash 8. Donc cette pièce là elle est en plastique, donc ça devrait pas poser de problème pour l'éthanol. Et ça c'est la valve qui permet, alors on voit celle d'origine, hein, je pense qu'elle a fait son temps. Ouais. Voilà, et ça c'est la valve qui permet de switcher d'un réservoir à l'autre. Donc on va en mettre une neuve et on va tout refaire en durite. Donc j'ai de la durite souple pour cette partie-là, spécifique aussi avec un intérieur. Donc ça, tout ça, c'était un petit travail en amont. Donc c'est une durite en caoutchouc qui ressemble à une durite basique, mais dedans, elle a reçu un traitement spécifique qui permet de résister à l'alcool. Donc ça, c'est les petites durites souples qui vont servir à rejoindre les deux réservoirs et aller à cette valve. Et après, le reste, ça va aller directement au carburateur. Donc voilà le fameux filtre qui est indispensable à mettre avant la pompe. Donc c'est un filtre qui a une filtration de 10 microns. Donc c'est assez précis, hein. Il est en inox, il est nettoyable. Et du coup, ça c'est vraiment indispensable parce que forcément il y a toujours des impuretés
l'éthanol dans les cuves, il y a toujours un peu, quand on fait le plein, ça dépend des stations. Donc il faut toujours mettre un bon filtre. Voilà, et puis bah, la pièce maîtresse, voilà, je pense que c'est ça que tout le monde voulait voir. Le fameux carburateur spécifique éthanol. Donc il est cool, il est anodisé vert, moi j'adore, ah ouais. Ça trop bien. Hein, il a une bonne gueule, donc c'est un carburateur standard, sauf que tous les composants internes sont prévus pour résister à l'alcool. Et également, il est calibré pour pouvoir fournir beaucoup plus de carburant. Balancé. Voilà, pour avoir le voilà. Donc voilà, c'est beau, c'est vert. Hein, c'est cool. Donc on est dessus. Hein, on a attaqué un peu ce chantier-là en parallèle, puisqu'on était un peu arrêté sur les autres. Comme tu disais, la voiture de Christophe, la fameuse Roadracer. Ouais. Donc Martiniquaise. Martiniquaise, voilà. On attend l'Hydroboost, donc l'assistance hydraulique. Donc je referai un petit sujet là-dessus quand on le recevra. Ouais. Et il devrait arriver là. J'ai appelé parce que ça commence à être long. Il m'avait dit à peu près un peu plus d'un mois de délai. Là, on y était. Donc j'ai appelé et il m'a dit non, ça va être livré la semaine prochaine. Donc Christophe, on va reparler de ton projet dans très très peu de temps. Et puis la fameuse fastback De François, la rouge. Le pont était neuf, mais je l'avais expliqué déjà la semaine dernière. Hein. Le pont était neuf, mais avait été mal installé. Donc ça usait le couple conique. Et du coup, ça avait besoin d'être changé, il avait été mal monté. Donc, quand on l'a essayé, je l'ai entendu tout de suite, ça faisait un bruit pas possible. Donc, on a dû ressortir le pont pour pouvoir avoir un truc nickel. Voilà. Voilà, bon, très bien. Donc, ça, là-dessus, on a avancé. Bien, c'est vachement intéressant. En plus, c'est vraiment d'actualité, puisque là, en ce moment, comme vous le savez, au niveau des grandes villes, il va y avoir des complications pour pouvoir faire rouler les voitures anciennes. J'ai vu un communiqué de la FFVE, là. Notre ami Nico m'a envoyé ça, et puis j'ai lu vite fait. Donc, la FFVE a déjà partagé des chiffres. Donc, en gros, les voitures anciennes correspondent même pas à 1% du parc. Et donc, et c'est des voitures qui roulent beaucoup moins. Donc, en fait, les chiffres qui pourraient correspondre à la pollution de ces voitures-là sont déjà, un, pas vraiment mesurables, et deux, vraiment négligeables, si on compare avec tout le reste. Donc, on espère que, du point de vue des autorités compétentes, ils vont pouvoir écouter le cri de la FFVE pour ne pas que les propriétaires de voitures anciennes se retrouvent à être dans le même sac que les pollueurs qui roulent tous les jours, etc. C'est vraiment des choses qui sont très très différentes. Donc nous on suit bien entendu ce sujet, c'est un sujet qui nous intéresse, et voilà, ça fait partie typiquement des solutions qui peuvent être aussi apportées pour contribuer à baisser la pollution, même des véhicules anciens. Il y a des solutions. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas encore de rétrofit électrique. Vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies qui maintenant se lancent dans l'installation de véhicules, enfin de moteurs électriques dans les voitures anciennes, et notamment les plus petits modèles qui ne sont pas très lourds. Ça peut être aussi quelque chose. Alors, bien sûr, on crie au scandale, mais il faut quand même savoir que quoi qu'il arrive... Oui et non. C'est la nous, non. Mais je veux dire, il y a pas mal de talibans qui crient au scandale, et je pense que malheureusement ou heureusement, de toute façon, il va falloir commencer à considérer ce genre de choses. Donc autant s'y intéresser et voir quelle partie on peut tirer de tout ça. Hein, laissez-nous des petits commentaires. Êtes-vous pour une belle Mustang électrique ou pas de Mustang du tout? Voilà, en gros, c'est ça. À terme, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est clair. Ça peut être donc quelque chose auquel il faut commencer à réfléchir dès maintenant. On ne va pas attendre que tout le monde le fasse pour se dire « Ah bah tiens, nous aussi, on peut le faire. » Voilà. Après, au rayon des arrivées de la semaine, on a ce très très beau pick-up, donc C10 Silverado. Donc celui-ci, c'est un Ben Long. Voilà. Donc on est en train de faire la liste, comme on l'a reçu hier, on a été le chercher hier, on est en train de faire la liste pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est un véhicule qui va être disponible à la vente dans pas très longtemps. Donc si ça vous intéresse, vous avez le choix entre, en ce moment chez nous, entre un Ben Courte Injection ou un Ben Long à carbu. Voilà, donc sympa. Vraiment, on est dans les jolis tons Biton Socal Frenchies. Hein. Voilà. Ouais, ça a sorti à tes chaussures. Ah bah ouais. Regarde un peu. Voilà, s'il y a un partenaire qui veut... mais celles-ci, elles sont un peu crades, mais... s'il y a un partenaire qui veut acheter le truck et mettre le beau logo Socal Frenchies, vous êtes les bienvenus. Voilà. Oui. Il y a une question qui demande. C'est une bonne question, parce que nous ne l'avons pas installé. C'était déjà dedans, donc je ne sais pas. Eh ben, ça doit être. C'est 15 pouces, non? 38 cm.
Bah fais en pouces. Je crois que c'est un 15 pouces. Il ressemble au Corso Feroce. J'ai vu passer aussi un commentaire de Régis qui veut écouter le bruit de sa, le bruit de sa boulette. Alors oui, Régis, je vais te la redémarrer. Voilà. Je ne résiste pas à l'envie. Oui. Volant Corso Feroce. Corso Feroce. Yep. C'est-à-dire quoi? C'est une course féroce? Ouais. Ouais. Celle-ci, on est pressé de la rouler aussi. Hein. Je pense que François aussi est pressé. Donc voilà, ouais, c'est là, c'est pareil, c'est des petits aléas. Ah, ça va être un avion. Et franchement, on a eu quelques visites là ces derniers temps, elle a vraiment du succès. Hein. Donc c'est vrai que j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, je préfère les fastback première génération ». Donc il y a quand même des gens qui préfèrent les fastback première génération, même si beaucoup sont très très fans de la deuxième génération. Donc voilà, nous on aime bien les deux. Ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'elle est plus légère et c'est globalement une plus petite caisse. Donc voilà, c'est quand tu mets des chevaux et tu mets un peu d'amélioration châssis et tout, bah tu ressens tout de suite. D'ailleurs, je pense qu'on en voit plus en course historique de cette génération-là. Et la voiture la plus chère du monde, enfin en Mustang, c'est une première génération puisque la Shelby, la Flying Mustang de Ken Miles, elle a battu le record de la Bullitt aux enchères chez Macomb. Donc on était à 3,7 millions, c'était 3,4 millions pour la Bullitt. Voilà, je parle sans les taxes, bien sûr, c'était juste 300 000 de taxes, pas grave. Donc adjugé à 3,4 millions et la Shelby un peu plus, je sais plus, 3,6 millions, 3,7 millions, un truc comme ça. Assez incroyable. Allez, je démarre la voiture de Régis et j'en profite pour faire un petit rappel, hein. Vous voyez beaucoup de voitures classiques ici, mais nous faisons aussi les voitures modernes comme celle-ci. Et ça, on le fait en partenariat avec notre ami Nico et California Motors pour la partie homologation, ou quand ce sont des professionnels qui font comme Jean-Jacques Jack du garage des Hunaudières, lui il va faire lui-même son homologation. Voilà. Donc ça, c'était la précédente Bullitt qui est partie dans le courant de la semaine. Allez, je démarre. Content, Régis ? Alex, tu peux te mettre pas trop loin du... Je vais pas accélérer parce que... Je vais pas accélérer parce que sinon la voiture est froide là. Donc là on entend le régime qui redescend gentiment. Voilà, j'ai pas dépassé les 2000 tours. C'est déjà relativement bruyant. Allez, on la remet à sa place. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi pour les voitures plus moderne. Hop, voilà. Et voilà. Ça sent bon là-dedans. Oui, les petits arbres sont fournis avec la voiture, hein. Régis. Et Régis aussi, parfois on a tout un historique. Et là, c'est le cas sur cette voiture. 75 000 miles. Il y a un peu tous les différents passages au smoke test, un peu tout ce qui a été fait dessus. Donc ça va partir avec la voiture pour toi, Régis. Voilà. Les amis, Alex et Jérém, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire pendant qu'on est là? Est-ce qu'on a des questions? Hein? Je n'ai pas passé trop de questions. Non? Aujourd'hui, pas trop de questions. C'est bon. Plutôt sage et silencieux. Dites-nous si l'horaire vous convient mieux que 20h10. À chaque fois, on vous demande quel est votre horaire préféré. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous donner les informations nécessaires afin que nous nous adaptions à votre guise, n'est-ce pas? À ma guise. Voilà. C'est ça? Bah oui, pour nous, c'est pareil. Hein. Qu'on le fasse à 10h30 du matin ou à 11h, c'est pas de problème. Mais je sais que vous,
bah, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du dîner, il faut coucher les enfants, etc. Donc, dites-nous, hein, voilà. Question. Oh, je te sens, vas-y Jenny, dis fort. Où en est le projet, là? Le projet Pick-up 1900. Ah, bah écoute, pour l'instant, il en est bâché dans le fond. Voilà, on attend que quelqu'un se dise, tiens, je veux ça. Et à ce moment-là, on le calera. De toute façon, on doit faire le projet de notre ami Sylvain avant. Et puis, une fois qu'on aura fait ce projet-là, bah, il sera temps de réfléchir. Soit on rachètera une autre fastback ou un autre modèle à refaire. On a aussi le projet pour notre ami Pascal de Camaro 69 ou Charger. On est en train de chercher les bases. Sachant qu'encore une fois, les Chargers, elles sont beaucoup moins nombreuses et ils utilisaient un métal qui à l'époque était de piètre qualité, parce que c'est très très rare de trouver une chargeur en bon état. Surtout les traitements anti-corrosion qui n'étaient pas trop on point. Ouais. Donc, mais j'ai l'impression que c'est pire. Ouais, bah après, tu peux trouver la chargeur par où. Bah en tout cas, on la cherche. Voilà, on la cherche, hein, mais on la trouve pas. On la cherche. Oui, bah après, elles viennent un peu de partout, c'est toujours la même histoire, tu vois. Il y en a eu quand même beaucoup moins de vendus que des Mustangs aussi. Donc, ou que des Camaro. Voilà, donc, ce qui explique cela. Et puis, il y en a beaucoup qui ont été détruites aussi pour la série. Et, il y en a quand même pas mal qui ont été. Sont populaires, les gens les veulent. Donc, bon. Oui, donc le pick-up 48, il passera quand on aura fini tous les projets, c'est-à-dire un jour. Ouais. Voilà. Mais bon, et ça nous plaît. Oui. On aimerait bien, celui-là, on aimerait bien. Voilà. Voilà. Une autre question ? La personne qui a posé la question pour le volant a compris 38 pouces. Non, non, non. Voilà. 38 centimètres. 38 pouces, ça commencera à faire. Hein. Si tu n'as pas de DA il faut un volant de 38 et que tu as des roues avant de 400 mm, là, il te faut... Bah non, je pense qu'on a, on a fait le tour. Et bah, nous, on va se mettre en route pour aller voir une Pontiac. Une petite Pontiac Firebird. Un oiseau de feu. Voilà. Donc, continuez à nous confier des demandes un petit peu plus exotiques. Hein, parce que pour vous donner, en fait, en gros, le pourcentage de demandes que nous recevons, c'est 80% de Mustang. J'ai l'impression que c'est encore plus. Enfin, en ce moment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de Mustang. Donc, les personnes qui nous ont envoyé des mails, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre un par un. Mais on reçoit, je dirais, 4 ou 5 demandes de Mustang par semaine. Donc, ça fait au moins une vingtaine, parfois au moins 20 par mois. Et comme vous voyez, on arrive à en trouver peut-être 2 ou 3 dans le mois. 4, dans le meilleur des cas. Donc, voilà, ceci explique cela. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres modèles vraiment sympas. Firebird, Camaro, etc. Il y a plein d'autres véhicules cool. Yes. Alexandre. Une question pour Alex. Vas-y, parle fort. Quand est-ce que tu vas rapporter ta Supra ? Un jour. Un jour, peut-être. Ouais, un jour. Ouais. Bon, là, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Donc, elle dort dans le garage. 2-3 petits réglages à finir. Rodage à finir. Bon, des petits problèmes à régler. Mais elle roule, tu pourrais la rapporter. Ouais, elle roule, je pourrais. Ouais. Mais bon, je vais pas ramener comme ça, bêtement. Quoi, hein. Moi, si je ramène, il faut que ça envoie du gros. Hein. Voilà, il faut que ça envoie du gros. On fera un peu de fumée devant le garage. Parce que si on fait pas de fumée, ça sert à rien de... Hein. Tu lèves le capot, ah, c'est beau, mais si ça fait pas de fumée, c'est bon, ça sert à rien. Faut que ça marche. Voilà, faut que ça marche. Donc, ouais, ça arrivera, ça arrivera. Faut être patient, faut continuer à nous suivre. Et peut-être un jour, un vendredi, boum, sans te prévenir, je la ramènerai, dingue. Comme ça vous oblige à regarder tous les vendredis. Pas mal. Pas mal, hein. What else pendant qu'on est là? Rien. Bon, eh bien, écoutez. Bisous à mon papa. Eh bien, bisous, papy. Hein, mon beau papa qui s'appelle Charlie aussi. Comme mon fils. On s'appelle tous Charlie. Ce qui est bien quand on est en vacances là-bas, quand Jenny dit à table, elle dit Charlie une fois, puis on arrive tous. Voilà. Bon, sur cette petite anecdote de type très constructive et hautement intéressante. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Jérémy, est-ce que tu veux te joindre à nous? Jérémy a mis le beau t-shirt. Ah, le beau t-shirt. On a le mannequin officiel. Oh, regardez comme ça fit bien. Magnifique. Regarde, vas-y. Allez, fais-nous un petit... Regarde. Voilà. Le rallye du cœur. Voilà. Donc, on vous souhaite all the best. Excellent week-end à vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous... Vendredi prochain. Vendredi prochain. Et puis, peut-être avant, hein, si on a des choses vraiment top à vous partager. Voilà. Allez, bon week-end. Bye guys, portez-vous bien.